sommes dans la capitale portugaise pour une nouvelle soirée de foot dans les tribunes de l'Estádio da Luz, pour être précis. Ici la team Dada pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez au cœur de l'événement. Dans quelques secondes, le début de ce match de championnat. Et on le sent dans l'ambiance générale, beaucoup d'émotions en perspective. Quand on aime le football, on est en passion. J'ai déjà envie que ça commence. Vamos! Et voilà, le coup d'envoi de cette rencontre. Le Portugal va débuter avec l'équipe suivante. J'aime voir de l'ambition dans la feuille de match. Et là, je vois un 4-4-2 offensif avec l'intention de se projeter vers l'avant. Reiten. Ballon pour Ingen. Sur Caroline Graham. Oui, le tir, intervention réussie sur ce ballon. C'est bien parti pour ce corner. Et ce corner est dégagé par la défense. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Ballon pour Caroline Graham. Oui, corner. Ah, le corner bien tiré. Ah, c'est un ballon bien renvoyé. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Ballon pour Ingen. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Et la frappe. Et quelle intervention! C'est un corner bien joué, bien frappé. Et c'est un corner facilement maîtrisé par la défense. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, la bonne parade. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Ballon pour Caroline Graham. En excellente position. Oui, joli réflexe. Ouais, il s'est donné en retrait. Oui, il faut frapper maintenant. Impeccable cette intervention. Allez, contre-attaque là, peut-être, on va voir. Et un peu lent le repli défensif sur ce contre. La bonne claquette pour détourner ce ballon au-dessus de la barre. Ce sera donc un corner. Ballon vers la surface. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. Ah, jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Et c'est donc une touche. Ouais, superbe défense. Guro Reiten. L'action se poursuit. C'est une transmission bien coupée.
Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Ça joue vers Caroline Graham. Bon crochet vers l'intérieur. Le corps en opposition, c'est pas fini. Et l'arbitre assistant a levé son drapeau hors jeu. Un peu d'espace devant elle, de quoi progresser un peu. Et le ballon est centré. Tentative de reprise, mais c'est manqué, ça passe même assez loin du but. Il y avait mieux à faire sur cette action que de reprendre des volets directement. Tenter le ballon, par exemple. Graham. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Le ballon vers la surface de réparation. Voilà une bonne intervention pour écarter le ballon. Ballon pour Engen. Olé, belle technique là. Ah, le plongeon est nécessaire pour intervenir. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Le danger dans la profondeur. Yelde. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Et c'est reçu dans le dos de la défense. Attention à la frappe. Oh non, et comment c'est possible de rater ça? C'était le but d'un 0 en plus. Quelle occasion manquée. Avi avec Guro Reiten. Coup de sifflet de l'arbitre, coup franc. Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Oh, ça peut aller au but. Incroyable, c'est le but. Inimaginable, cette équipe était pourtant en difficulté. C'est tellement inattendu de les voir mener au score. Par rapport à ce qu'on a vu, ce but, c'est la contrariété de la beauté du jeu. Ils ont un but obtenu et pas tout à fait mérité. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et donc on va en rester là, c'est la fin de la première période. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Et le face-à-face à venir. Et oui, le danger qui est écarté. Alors, c'est un corner bien joué, bien frappé. Aucun souci là pour la défense, ballon dégagé. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute.
et un peu d'espace sur le côté. Une possibilité là pour centrer. Ah, la claquette pour dévier le ballon au-dessus, magnifique. Et un changement donc. Allez, bien frappé ce corner. Beaucoup de monde à la retombée et cette tête largement inoffensive. Ouais, bien joué, la passe pour créer le danger. Et attention à ce centre. C'est dégagé, très bonne intervention sur ce ballon. Et le contre est possible maintenant. Ah, la frappe pour l'égalisation peut-être. L'arrêt, la parade. Et c'est presque miraculeux à cette distance. Elle fait des miracles, elle vole, mais c'est un réacteur. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Le corner de Graham. Ouais, la bonne ouverture, magnifique. Ouais, l'arbitre qui lève son drapeau pour signaler cette position de hors-jeu au départ de l'action. Cette passe aurait pu faire mal. C'est surtout un problème des synchronisations. Il aurait fallu attendre un tout petit peu plus pour lancer l'appel. Ah, il s'est donné en profondeur. Pour ballon, il faut s'appliquer maintenant. Et l'avantage se creuse avec ce deuxième but pour alourdir la note. On la revoit, cette passe à la limite d'enjeu qui vient offrir une excellente situation de but. Et le bouquet final a consommé sans modération. Ça donne une sensation d'esthétique et de puissance. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Frida Manum. Engen. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Très bon geste défensif, c'était risqué. Le ballon sort, c'est une touche. Arrêt de jeu et donc l'entraîneur effectue un changement. Sur le côté avec de l'espace. Une balle jouée en profondeur. Très bon centre, mais personne à la réception pour en faire quelque chose. On s'est donné en retrait. Superbe intervention, sans faute. En tout cas, pour une partie du public aux tribunes, ça ne faisait aucun doute. Il y avait clairement pénalty, ça grogne. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Guro Reiten. Il y a du soutien là pour attaquer. Elle passe son adversaire et elle continue sa course. L'idée était bonne, mais la finition, beaucoup moins. Il va falloir rapidement se relancer pour recoller au score. Et le changement va donc avoir lieu. Tatiana Pinto. Oui, bonne vision du jeu avec cette passe. Des possibilités pour reprendre le ballon sur ce centre. Là, ça ne passe pas.
Oh, c'est un bon ballon, ça. Et quelle efficacité, quel sens du but. Voilà, un troisième but d'avance. Le réalisateur fait bien de nous montrer ce centre en retrait. C'est lui qui vient offrir ce ballon directement face au but. Et ça finit en 2-1. C'est imparable. D'abord on fixe, ensuite on conclut. C'est parfaitement négocié cette séquence. Et avec ce but inscrit, ça fait 3 buts à rien au tableau d'affichage. Miel 2. Ballon pour Manum. Ah, c'est bien parti. Ah, le bon centre en retrait. Ah, bien placé pour une frappe, peut-être. Oringen la frappe. Très belle frappe, mais de peu à côté. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Eh, bien vu, la passe en profondeur. Goal, 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 goal. Et encore un, et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'affichage. La passe qui vient chercher la profondeur, on la revoit sur ces images, c'est vraiment un geste décisif. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Et voilà donc un nouveau but, ça met encore plus KO l'adversaire, le match est quasiment plié. Avi élargit le jeu. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Et voilà, ça sort en touche. Une grosse opportunité, attention. Caroline Graham. Oh, et le face à face qui a tourné à son avantage. Qu'est-ce que c'est bien négocié. Tu rentres dans la tête de ton adversaire et le tour est joué. Corner tiré par Graham. Intervention et donc danger écarté. On a bien fait la différence qui est faite là-dessus. Ah, le centre est donné en retrait, bien joué. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. C'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Et ça y est, on va donc en rester là dans ce match. Et ça se termine avec une victoire à domicile. Toute l'équipe a mis de l'énergie et de l'ambition pour remporter ce match. C'est une victoire largement méritée. Allons pour Caroline.